Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue pour une semaine avec moi de... On verra bien quoi. Tricot, blabla, digressions et autres sujets abordés. Une petite perle est là. Oui, bonjour mon ourson. Oh bébé. Et cette petite chose a vu le vétérinaire vendredi et son taux de créatinine a un petit peu baissé, donc c'est très encourageant parce que ça fait pas très longtemps qu'elle est sous traitement et encore moins longtemps que j'ai changé son alimentation, donc on a espoir que ça baisse encore un peu, sachant que là, vu que ça a baissé un petit peu, c'est rentré dans la norme, en fait c'est plus au-dessus de la norme, donc c'est très cool. Il faut que ça dure et l'idéal ce serait que ça baisse encore un peu pour qu'on ait encore un peu de marge. Voilà, donc je suis... rassurée, pas complètement rassurée parce que elle est dans la norme avec traitement, ça veut dire qu'il y a quand même un problème, mais rassurée qu'elle soit pas hors norme avec traitement, voilà. Vous allez sans doute penser que je suis continuellement habillée pareil, soyons honnêtes, je suis continuellement habillée pareil, à cela près que quand même je lave mes vêtements. Mais je fais partie de ces gens qui ont plein de vêtements identiques, voire, plein de vêtements similaires, voire identiques, pour des raisons de facilité et de confort. Moi, quand ça va bien, généralement, j'achète plusieurs fois le même truc, ou dans d'autres couleurs, etc. Donc ce genre de t-shirt noir, là, qu'il soit col rond ou col V, j'en ai un certain nombre, à manches courtes, à manches longues, principalement noir, certains sont gris, j'en ai quelques bordeaux. Voilà, c'est... le genre de truc ultra basique que je porte absolument tout le temps parce que je me sens bien dedans, c'est pas trop décolleté, ça passe facilement sous les pulls, et voilà. Donc, oui, c'est un t-shirt très 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 similaire à celui de à ceux que je portais dans d'autres vidéos, et ne vous formalisez pas, vous inquiétez pas, je change mes vêtements, je les lave, c'est juste que, bah voilà, j'ai plein de fois les mêmes vêtements, enfin j'ai plusieurs fois les mêmes vêtements, surtout ce genre de basique là que je mets tout le temps. Certes, c'est pas d'une élégance raffinée, mais élégance et moi, c'est pas deux mots qui vont ensemble. Moi, je vais plutôt avec le mot confort qu'avec le mot élégance. Voilà. Donc, pas de pull aujourd'hui, ben non, parce que j'ai trop chaud. Alors, j'ai vu que ça allait rebaisser un peu dans le courant de la semaine, tant mieux. En fait, là, je suis dans la phase transitoire où je ne peux plus mettre un t-shirt à manches longues plus un pull. J'ai très rapidement trop chaud. D'autant plus que là... Ah, je vous ai même pas dit, nous sommes dimanche. Ah, merde. On va grimper peut-être. Nous sommes dimanche quelque chose mars, 17 je crois. Oui, 17 mars. Et il pleut des cordes, mais je n'ai pas prévu de sortir, donc c'est très très bien. Et donc je suis dans la période transitoire où j'ai trop chaud avec un t-shirt à manches longues plus un pull, d'autant plus que je m'agite régulièrement chez moi. Et donc ce que je fais, c'est qu'au lieu de passer mon temps à enlever, mettre un pull, je fous un châle sur mes épaules dans les moments où j'ai froid, et je l'enlève, et c'est très pratique. Et donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je passe à débardeur, pull en fingering sport. Sauf que là, on est en mars, et j'ai pas envie de sortir les débardeurs, et je sais très bien qu'avec un pull en fingering sport, quand je m'agite pour faire des trucs, j'aurai trop chaud, mais qu'en débardeur, j'aurai trop froid. Voilà mes questions existentielles. D'où le fait qu'en ce moment, je ne mets plus du tout de pull, que je passe ma vie en t-shirt à manches longues. Donc, ça serait... C'est bientôt, hein, l'époque où je vais ressortir mes ranonculus, etc., avec un débardeur en dessous, mais... on est encore dans un entre-deux. J'avoue que là, je désespère de remettre les pulls en déca. Je pense que pour la saison, c'est terminé. Là, il fait 19 chez moi, et clairement, quand il fait 19 chez moi, avec un pull en déca, hormis si vraiment je suis fatiguée et inactive, j'ai trop chaud. Là, clairement, si je me pose pour tricoter, je vais me refroidir un peu parce que je me suis agitée avant à faire des trucs. Un petit châle, ça suffira. Un pull en déca, non, 19 degrés, c'est trop haut. 18, c'est le grand max pour un pull en déca en intérieur pour moi. Donc voilà, donc on est reparti pour une semaine de blabla. Je regarde des vlogs de Nana dont j'aime bien la manière dont elle filme.
des petites nanas bien sympas. Je pense notamment à Éléonore, à Mathilde, à Elodie, ou même à Eve. Et moi, je me dis qu'à côté, j'ai vraiment rien à raconter. Et je suis toujours dans mon canapé parce que vraiment, j'ai pas d'autre endroit pour filmer chez moi. Je fais beaucoup moins de choses que certaines parce que, voilà, ma vie est différente, c'est comme ça. Et c'est très bien aussi. Et clairement, je n'ai pas 3000 espaces dans mon appartement qui soient sympas pour filmer, quoi. Dans ma chambre, clairement, vous ne verriez rien, la luminosité serait pourrie. Et puis, on va pas se mentir, je ne suis pas la reine de la déco non plus. Je n'ai jamais repeint mon appart depuis que je l'ai acheté il y a presque 10 ans. Les murs sont blancs avec une peinture qui était une peinture qui avait été faite au premier prix et qui est clairement de très mauvaise qualité, donc qui fait des traces ultra rapidement. Mais j'ai une flemme intégrale de bouger les meubles et tout pour repeindre mon appart, donc pour l'instant ça reste comme ça. Et voilà, donc bon, sans compter ma salle de bain qui est toujours en chantier, et ma deuxième chambre qui sert de bureau, atelier, cave, buanderie, voilà, salle de sport aussi, j'ai mon vélo elliptique, c'est clairement pas un lieu pour filmer. Donc c'est un vlog qui n'en est pas un, puisque je passe ma vie le cul sur mon canapé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Je voulais vous parler du coup de mes objectifs tricot de cette semaine de vlog qui n'est pas une semaine puisqu'elle commence un dimanche et même commence le vendredi. J'ai pas filmé hier parce que flemme, mais voilà. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu puisque du coup je continue mon histoire de timer avec des petites plages de lecture de 10 ou 15 minutes et franchement c'est très très cool. Je reprends plaisir et ça me fait penser là. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, arrêtez ça. Ça me fait penser que il faut que je range ma bibliothèque qui est là. Avant, elle était là. Je sais pas si vous vous rappelez dans les anciennes vidéos, elle était là. Puis quand j'ai récupéré ce meuble Ikea aux encombrants, j'ai bougé ma bibliothèque qui est pas très grande. Hein. C'est une bibliothèque Conforama assez classique, mais qui est très pratique pour ranger des livres, puisque c'est une bibliothèque, c'est pas un gros... Ça aussi, c'est une bibliothèque, mais c'est plus un rangement fourre-tout. Ma bibliothèque est vraiment une bibliothèque avec une taille adaptée aux livres. En profondeur, on met deux livres de poche l'un devant l'autre. Et pas 12 000 trucs dans laquelle on ne peut plus prendre de livres après. Bref, et je vous disais ça parce que quand j'ai déménagé la bibliothèque de la mettre de là-bas à ici, j'ai viré tous les livres. Forcément, c'est impossible de déplacer une bibliothèque avec des livres. D'autant plus que mon étagère Conforama date de mon studio. Donc c'était il y a 13 ans. Et j'ai refoutu tous les livres en vrac dedans. Alors qu'à la base, c'était plus ou moins classé par auteur, etc. Et hier, enfin, il n'y a pas 40 000 livres, mais il y en a quand même assez pour qu'hier, j'ai passé 3 plombes à chercher un livre que je cherchais. Ça m'a énervé. Enfin, à trouver un livre que je cherchais. Et du coup, il faut que je reclasse tout bien. Genre, j'avais mis à un endroit tous mes livres qui étaient mes livres d'enfance. Enfin, j'ai quelques livres d'enfance. Un autre endroit, mes livres de fac. Un autre endroit, voilà, Enfin, bref, il faut que je range parce que ça me gonfle. Pourquoi je disais ça? Ah oui, parce que du coup, je voulais vous parler d'un livre et on va parler des vidéos que j'ai regardées et des patrons qui sont sortis. On va commencer par le livre, tiens, puisqu'il est là, comme ça, ça nous, ça me dégagera la place sur mon canapé pour vous montrer. Et le téléphone est par terre. Je lui dirai, si quelque chose ne tombe pas pendant le vlog, ce n'est pas un vlog. Voilà, le téléphone est tombé. Me dégagera le tricot pour vous en parler. Donc, j'ai lu un livre qui m'a été offert par une... tricopine, j'ai même envie de dire une tri-amie parce que mes tricopines on se connaît depuis 2 ans et demi maintenant et je les considère beaucoup plus comme des amis que comme des copines parce qu'on commence à très bien se connaître, bref tu te reconnaîtras. Je l'ai lu vite pour ma défense, je vous ai dit que je lisais pas vite mais en fait j'ai lu vite déjà parce qu'il est écrit très gros et parce que je l'avais déjà commencé un peu avant mais je vous ai dit j'arrivais pas à lire avant de dormir et tout, impossible, je suis tellement fatiguée ces derniers temps que je m'endors direct quand je me couche. Donc j'ai lu « Ouvrons les larmes quand elles sèchent » de Baptiste Beaulieu. Voilà, donc c'est un cadeau, je te remercie encore, je sais que tu passes par là. Vous savez que j'aime beaucoup Baptiste Beaulieu, je crois vous en avoir déjà parlé, ou du moins si vous me suivez sur Instagram, je partage régulièrement ses posts. Baptiste Beaulieu est médecin généraliste à Lyon, il est romancier aussi, et il est... rentrons-le dans des cases pour grossir le trait, mais je déteste les cases, et lui encore plus, il est homosexuel féministe. Alors, il est homosexuel, c'est un fait, et qu'est-ce qu'on s'en fout, vous allez me dire, moi je trouve que les homosexuels ont une ouverture d'esprit bien plus grande, et sont bien plus lucides sur beaucoup de discriminations diverses et variées que les hétéros, c'est comme ça.
Et il se dit absolument pas féministe, mais il a quand même un esprit extrêmement bienveillant, ouvert et défenseur auprès des femmes, parce que, comme il le dit, les homos rencontrent des discriminations très similaires aux femmes, en fait, tout simplement. Voilà, bref, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, il a des réflexions très pertinentes, il est engagé mais en douceur parce qu'il le dit, il veut pas être militant, il veut pas, voilà, il s'en prend plein la tronche déjà, il fait des chroniques sur France Inter, etc. Voilà, il veut pas en prendre plus plein la tronche, mais son discours est quand même un peu rentre-dedans, de gauche, féministe, moi je trouve que son discours est féministe, même s'il ne se revendique pas féministe, enfin voilà, c'est un discours auquel j'adhère beaucoup, vraiment, enfin bref, j'aime beaucoup cet homme, même si il a l'air d'avoir un mental qui carbure aussi à fond, et qui est pas mal anxieux, donc une copine me disait l'autre jour, ça doit pas être facile tout le temps d'être dans ses baskets. Je pense aussi que ça doit pas être facile tout le temps d'être dans ses baskets, mais punaise, les médecins qui l'ont comme médecin traitant, je pense qu'ils ont beaucoup de chance, ne serait-ce que pour le rapport humain, la bienveillance médicale, l'écoute, l'empathie, etc. Et donc, bref, j'avais jamais lu de ses livres, il a fait des livres pour enfants aussi, et ce livre-là m'a un peu surprise, parce qu'en fait, je m'attendais pas à ça. Enfin, je sais pas à quoi je m'attendais, mais comme il se dit romancier, je m'attendais vraiment plus à un roman. Alors, ça, c'est romancé, mais c'est beaucoup plus une sorte de recueil d'anecdotes. Disons que, limite, on aurait presque pu prendre plein de ses posts Instagram, les mettre à la suite et ça aurait fait un livre. Je dis pas ça pour dénigrer, parce que c'est pas du tout le cas. En fait, c'est l'histoire d'un médecin traitant. Clairement, le protagoniste s'appelle Jean. On a bien compris que c'était Baptiste, hein, le héros de l'histoire, qui raconte son vécu en tant que médecin, et surtout son vécu en tant que médecin généraliste dans son cabinet, à travers plein de petites anecdotes de vie qu'il vit au cabinet, des personnages stéréotypés, alors qui sont stéréotypés, mais qui sont des, je pense à tout coup sûr, des histoires vraies de gens qu'il a rencontrés, mais voilà, c'est plein de petits morceaux d'histoires de vie mises les unes à la suite des autres, qui démarrent du coup par l'histoire du médecin d'hôpital qui, à la suite du décès d'un enfant, change de voie et part faire médecin traitant. Et voilà, et c'est plein d'humanité, c'est plein de revendications justes, dont certaines ne sont insolubles, genre pourquoi la mort, pourquoi, etc., et dont certaines sont plus féministes. Il parle de l'endométriose, par exemple, d'une femme à qui on a dit toute sa vie qu'il fallait qu'elle arrête de se plaindre, et que c'était dans sa tête, et qu'en fait, quand on lui a vraiment fait des examens de santé, on a dû l'opérer tellement elle avait d'endomètre autour de l'anus, de la vessie, etc. Enfin, voilà, il parle du monsieur qui a perdu sa femme, de la femme qui a un cancer, enfin plein de choses comme ça, et c'était pas mal. C'est pas nécessairement gay, c'est pas nécessairement triste, mais ça parle de médecins traitants qui relatent plein d'histoires de maladies, en fait, de malades. Donc voilà, si vous êtes dans un mood hyper bas, n'allez peut-être pas lire ça, même si la finalité, elle est pas triste, elle est juste optimistement réaliste. Voilà. Bref, c'était un livre que j'ai apprécié. J'ai une autre tricopine, tricoamie, qui m'en a offert un autre de Baptiste Beaulieu. J'ai pas enchaîné direct avec parce que j'avais envie de vraiment lire quelque chose de très léger après ça. Donc j'ai pris un roman à l'eau de rose, clairement. Mais je lirai l'autre de Baptiste Beaulieu. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit, j'aime beaucoup. J'aimerais que tout le monde lise les posts Instagram de Baptiste Beaulieu, que tous les médecins, que tous les soignants lisent les livres de Baptiste Beaulieu, parce que je pense que c'est quelqu'un qui doit beaucoup se torturer le mental, je pense que c'est quelqu'un d'hypersensible. Mais il y a quand même bien des soignants qui ont besoin d'un peu plus de sensibilité et d'un peu plus d'empathie, hein. On va pas se mentir.
On va pas se mentir, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai déjà eu affaire à de la maltraitance médicale, et ces gens-là, je me demande ce qu'ils foutent là, en fait, quoi. Leur but, c'est purement scientifique, c'est ça, et il n'y a pas de rapport aux émotions, il n'y a pas de rapport au consentement, il n'y a pas de rapport au mental, etc. Enfin, bref. Bref, Baptiste Beaulieu, je pense qu'on adhère ou on déteste. Je pense surtout que ça dépend de notre sensibilité à l'empathie, à la lutte militante pour la considération féminine, parce qu'on est à l'époque où tous les mecs viennent se plaindre que oulala, ils ont peur des femmes parce que oulala, elles revendiquent leurs droits, faut arrêter 2 minutes de venir chouiner, messieurs, s'il vous plaît. J'entends des trucs genre je sais pas combien de pourcentage des hommes ont peur des femmes, non mais à un moment donné faut arrêter quoi, enfin je veux dire les mecs qui sont droits dans leurs bottes et qui ont ils ont peur de rien, hein, y a pas de problème, et je pense qu'il faut avoir un esprit voilà un petit peu de gauche, parce que si vous êtes stricto sensu de droite, extrême droite, vous n'aurez pas la sensibilité requise pour apprécier la plume de Baptiste Beaulieu. Voilà, ça reste mon avis. J'apprécie beaucoup, donc je vais maintenant le passer à ma maman pour qu'elle le lise, parce que je pense qu'elle aimera. Vous voyez, par exemple, c'est le genre de truc que mon père détestera. Mon père fait partie de ces générations d'hommes où les homos, voilà, les machins... Alors, il se dit pas homophobe, moi je trouve que cette génération de gens qui sont pas ouvertement homophobes ou racistes, mais qui ont tellement de préjugés que pour moi c'en est quoi. Donc voilà, mon père par exemple ne serait pas du tout ouvert à lire ça, enfin il dirait oh là là c'est quoi ton truc, hein, machin, oui ça n'a aucun intérêt, voilà, enfin bref. Dès qu'il y a de la sensibilité, de l'émotionnel, pour mon père ça n'a aucun intérêt, mais par contre ma mère ça lui plaît. Voilà! Pour le premier livre que j'ai lu, le second sur lequel j'ai embrayé est beaucoup plus léger, c'est une romance. Et ça me fait du bien, parce que je veux pas vous cacher que même si c'est pas un livre dur, alors dur à lire pas du tout, hein, ça se lit hyper vite, c'est pas un livre super gay non plus. On parle du quotidien d'un médecin du début à la fin, avec toutes les pathologies qu'il voit dans son cabinet, donc dont plusieurs se finissent pas nécessairement bien, donc c'est pas des plus gays quoi. Plus c'est tumulte mentaux et ces turbulences existentielles, voilà, ça fait qu'il faut avoir, voilà, faut pas être dans une grosse phase de dépression en lisant ça, quoi, je pense. Bref, niveau tricot, cette semaine, les objectifs, ils sont deux. Je ne vais tricoter que sur mes tests, vous allez dire, ah, on va s'ennuyer. Ouais, clairement, je pense que niveau tricot, la vidéo sera ennuyante, il n'y a pas de mystère, mais... Le premier test pour Nadia est pour fin mars, et le test pour Audrey est pour avril, donc je n'ai pas le choix, je dois carburer. Donc le test pour Nadia, c'est toujours le pull Ampelia que je tricote en jawel silk de langue dans le coloris 128. Donc je suis toujours aussi surprise de la quantité de laine qu'il me mange, vraiment heureusement que j'avais plus de laine, parce que je pense que, à vue de nez, je dirais que je vais consommer 200 à 300 mètres de plus de laine que ce que me prend habituellement un pull lambda en fingering. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est un petit peu plus large que les pulls que je fais habituellement, vu que c'est des manches tombantes, mais j'ai pas pris une aisance non plus incroyable. Est-ce que c'est la texture? Sûrement. Mais je suis quand même très surprise. Alors, certaines d'entre vous m'ont dit, bah, peste et pelote, est-ce qu'elles font vraiment 50 grammes? Eh ben oui, mes pelotes font 50 grammes, donc... Donc je suis très surprise. Combien j'ai tricoté de pelotes, là, déjà? On a 200 mètres dans la pelote, donc tout rond. J'ai mis ça dans mon joli sac de chez Tessa. J'ai déjà tricoté 1, 2, 3, 4, 5 pelotes. Donc 1000 mètres. 1000 mètres, celle-ci, elle va être finie, c'est sûr, 1200. J'en ai une sur la manche. Elle va probablement... Je vais probablement réussir à finir la manche. 1400. Il m'en faudra une pour finir, pour faire l'autre manche. 1600. Et je pense qu'il m'en faudra une pour finir presque une pour finir le corps, parce qu'avec celle-ci je finirai pas le corps, c'est sûr. Donc 1800 mètres. D'habitude moi je suis plutôt sur 1400 mètres sur un pull en fingering, 1400, un tout petit peu plus. C'est très étonnant. Bref, donc le pull Ampelia est un pull que je teste pour Nadia. Ah oui, je vais vous enlever ça. Ah non, je vais pas vous l'enlever, j'ai flemme. Parce que je ne l'ai pas touché depuis la dernière fois. C'est un pull donc manche tombante. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va là. Épaule tombante avec une sorte de raglan dans le dos.
Enfin, c'est pas un gland, du coup, c'est la ligne d'épaule, mais elle est dans le dos. Jersey dans le dos, et motif texturé torsade devant, qui est un petit peu long à réaliser, mais absolument pas difficile. Après, est-ce que je recommande pour des débutants? Je dirais non, parce que déjà, un pull en fingering pour des débutants, il y a ça un coup à se décourager. Et le panneau de torsade de devant n'est pas très dur, enfin torsade dentelle, mais il y a quand même beaucoup de torsades, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Faut pas se planter, il y a pas mal de jetés. Alors moi j'ai pas mis de marqueur entre les trucs parce que ça ne s'y prête pas du tout, et de toute façon c'est très facile, j'ai pas besoin. Mais en premier pull, clairement moi j'aurais pas fait ça, mais je vous l'ai dit, je n'étais pas une débutante téméraire. Donc il avance. La dernière fois que je vous l'ai montré vendredi dernier, le Progress Keeper était là. Et je vous ai dit que je ne le toucherai que dans une semaine, enfin que vendredi prochain pour voir tout ce que j'ai fait. Et j'aimerais cette semaine, mon objectif sur lui, c'est d'avoir terminé le corps. J'en suis plus très loin, j'ai compté le nombre de motifs de torsade là, en hauteur. Là je suis en train de faire le dernier motif. Enfin j'ai compté sur la photo de Nadia que je ne vous montrerai pas puisqu'on ne peut pas montrer les photos de Nadia avant qu'elle les sorte elle-même. J'ai compté le nombre de motifs sur la photo, là si je fais ce motif là dont il me reste quelques rangs à faire, à la fin de ce motif là, j'ai le même nombre de motifs que Nadia. Mais c'est trop court pour moi, donc je pense que je vais encore faire un ou deux motifs supplémentaires et ensuite les côtes. De toute façon je mesure, là je crois que je suis à 30 cm et 30 cm moins un pull c'est trop court. Il me faut 35 avant les côtes. Comme dit, c'est plus court devant, mais Nadia le précise bien qu'au lavage, la dentelle va se détendre avec les torsades, donc tout va bien. Et la manche, bon bah je voulais pas défaite parce qu'elle est emmaillotée, vous savez j'ai commencé la manche, je pense que j'ai à peu près la moitié de la manche qui est faite, mais je n'y ai pas touché depuis la dernière fois, donc mon but cette semaine, alors dans l'idéal de l'idéal, ça serait de finir le corps et finir une manche, mais déjà finir le corps, ce serait bien, et franchement j'adore, il faut que je me fasse plus de pièces en fingering parce que je n'en ai pas beaucoup. On va pas se mentir, c'est super long, donc c'est moins tentant d'aller vers de la fingering, mais j'aime beaucoup. La Jawel Silk, elle est bien, je sais pas comment elle va vieillir, bon ça j'ai pas trop de doutes, mais surtout évoluer au lavage. Mon échantillon n'avait pas bougé, presque pas bougé, mais là il y a quand même beaucoup de dentelle, on va voir comment ça évolue. Et c'est dommage, elle a pas énormément de couleurs. Si elle avait autant de couleurs que la Jawel classique, mais clairement j'en achèterais plein. Elle n'a pas beaucoup de couleurs, mais j'aime bien, c'est une laine que j'aime bien. Et vous voyez, je sais pas si je ferai des pulls en Arouetta, du moins simple, parce que mes chaussettes en Arouetta ne vieillissent vraiment pas très bien. Elles boulochent beaucoup, elles feutrent facilement, donc un pull en Arouetta, j'aurais peur que ça vieillisse pas hyper bien, je sais pas. Si vous avez déjà fait des pulls en Arouetta, dites-moi ce que vous en pensez, mais mes chaussettes, je sais pas, je suis... Alors la Arouetta est très douce, mais je trouve que les chaussettes vieillissent pas hyper bien. Pareil, les chaussettes, j'ai fait ma lessive de chaussettes hier, je me demande si c'est pas la dernière lessive de chaussettes de la saison. Là, ça fait deux jours que je porte des chaussettes du commerce parce que j'ai trop chaud dans mes chaussettes tricotées. Je suis très triste. Après, il va refaire un petit peu froid, j'ai vu, j'aimerais bien, pour remettre des chaussettes, mais ouais, je crois qu'on approche de la fin là, on approche de la fin. Donc voilà, le Ampelia, il va avancer, et dans un monde idéal, comme dirait Mathilde, j'aimerais qu'il ait un corps terminé et une manche terminée, il me resterait plus que la deuxième manche et je serai dans les temps. Et l'autre projet que j'ai en cours, c'est le Aconite de Audrey Borrego, qui est un petit pull aussi en fingering, que je tricote en Knitting for Olive coton mérino. Alors là, il n'y a pas les étiquettes, mais c'est le coloris Piglet et le coloris Ochre Brown, donc porcelet et brun ocre, un truc comme ça. Lui il avance, alors lui je suis pas en avance non plus dessus, mais j'aime beaucoup tricoter cette fibre, même si elle est très fine, on est sur de la fingering vraiment plus fine, ouais un peu plus fine que la Jawel Silk, il y a 250 mètres pour, je crois qu'il y a 250 mètres pour 50 grammes, donc c'est presque de la light fingering, le rendu est vraiment très chouette, elle est très agréable à tricoter, même si les rangs en vert je les trouve un petit peu pénibles sur une laine si fine, mais bientôt je serai, enfin bientôt. Dans un petit moment, je serai au bout des rangs verts, donc ça ira. Et le rendu est vraiment chouette, la fluidité du tissu et tout, c'est du coton mérino, je vous l'ai dit, je crois. Et c'est très cool, j'aime beaucoup. Donc je vous avais laissé, j'étais dans le devant, et j'ai failli faire une grosse bourde, enfin une grosse bourde. J'ai failli tricoter pour rien, oh là là, sur le devant, puisque... Alors attendez, j'en suis là, avec les fils qui pendouillent, c'est génial. J'étais en train de tricoter le devant... Et j'avais un vague souvenir du nombre de centimètres que je devais faire. Et puis au bout d'un moment, je me dis, oh, je vais quand même vérifier ce que je dois faire. Et en fait, mon souvenir était faux.
J'étais rendue au moment où je devais arrêter. Oh, quel nez j'ai eu de m'arrêter à ce moment-là. Donc, le demi de... Non, pas le demi devant, le devant, c'est ça. J'aime beaucoup le motif tweedé, elle l'appelle. Alors là, on voit clairement que c'est rose. Moi, quand j'ai acheté, je vous ai dit, je pensais que c'était beige. En fait, c'est beige rosé, mais c'est vraiment rose. Mais j'aime bien le rendu. J'avais peur qu'avec le marron, ça fasse un peu vieillot, genre pull de grand-mère. Mais non, en fait, j'aime bien. Puis la coupe sera un peu moderne. Et donc, bah, j'ai fini le devant, j'ai coupé les fils, puisque c'est là qu'on rejoindra en rond. Et j'ai monté hier soir... Hello! J'ai monté les deux épaules, j'ai fait les rangs raccourcis, et là, il y a beaucoup moins de trucs à faire, puisque très rapidement, on rejoint les deux épaules, et il faut tricoter bah, à la même distance que la totalité là, du devant, pour rejoindre en rond. Donc j'ai encore pas mal de rangs à faire, hein, on va pas se mentir, et c'est un petit peu long, parce que comme c'est de la light fingering, j'ai quand même... Et puis que je fais une grande taille, j'ai quand même un certain nombre de mailles, mais c'est très chouette. Donc lui, mon objectif cette semaine, c'est à minima de rejoindre en rond, donc de finir la distance qu'il me manque là pour rejoindre en rond, et avancer un peu le corps si je peux, et donc ça donnera ça. Les épaules sont où ? Les épaules sont là. Là, voilà, ça donnera ça. Bon. Mon câble est un peu plus petit, enfin est beaucoup plus petit que la distance du truc, mais puis il n'y a pas l'encolure évidemment. Mais j'aime bien et ça sera léger, ça sera fluide, ça va vraiment être très agréable. Et les couleurs, je pense que ça va. Enfin, au début j'avais un peu peur qu'entre le motif tweed et le marron ça fasse vraiment grand-mère, mais non, je trouve que ça va. Après j'aurais bien aimé des couleurs plus peps, mais vraiment je vous ai dit, chez Knitting for Olive, la coton mérino, il n'y avait quasiment plus rien. Je ne sais pas s'ils vont l'arrêter ou relancer une production, mais en attendant, c'était un peu dur de trouver des coloris. J'espère que j'aurai assez de fils, parce que rien ne me garantit que je retrouverai des pelotes si je n'en ai pas assez. Mais normalement, j'en ai assez. Voilà. Donc, je suis très contente. Oh, ma pelote s'est envolée. Eh ben, décidément, Julie, tu vois, j'ai fait tomber le téléphone et la pelote. Voilà pour le tricot. Et que voulais-je dire en plus ? Eh bien, les vidéos et les patrons. Je crois que les patrons, il n'y en a qu'un. Alors... Oui, c'est, je vous le mets là, le patron du pull berlingot que vous étiez nombreuses à attendre avec impatience d'Hélène. Alors, elle devait sortir fin janvier, puis finalement, je sais pas, elle a eu des bricoles dans son planning de... Dans son planning de parution de modèle, donc ça était fin mars, enfin mi-mars plutôt. Donc voilà, le pull berlingot d'Hélène L'Atelier La Case Avant est sorti. Bon, je vous en ai parlé en long, en large et en travers, il vous a beaucoup plu. Donc bah allez-y, lancez-vous, il est facile, il est trop chouette, il est addictif, c'est génial. Au niveau des vidéos, j'ai regardé la partie 2 du podcast 79 d'Emma, et c'était très très chouette, ces chaussons qu'elle refait là, ces doubles touffes comme elle dit, ils sont canons, vraiment il faut que je fasse des chaussons, j'ai hâte de castonner un milliard de trucs encore. J'ai regardé le carnet créatif numéro 11 d'Eve, et c'était vraiment très chouette aussi. J'aime beaucoup son gilet de Pernille Larsen, c'est rigolo, moi je crois que j'ai prévu de faire le pull dans je ne sais plus quelle laine de Pernille Larsen, et donc et c'était très chouette. J'ai regardé le vlog 64 de Julie Lollipelotte, la pauvre qui a encore des problèmes de santé, et petite Lottie qui a aussi des problèmes de santé, décidément. Voilà. Mais pareil, c'était très chouette. J'ai regardé encore un petit peu de Vlogmars de Fille de Nuage Éléonore, et c'était aussi très 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 chouette. Je prends beaucoup de plaisir à la regarder, je vous l'ai déjà dit. J'ai regardé le vlog 8 de Mathilde Tricote, et alors là, j'ai très hâte de savoir la suite des aventures, parce que dans son vlog, Mathilde nous montre qu'est-ce qu'elle tricote, et notamment sa robe de... Comment s'appelle la designeuse ? Anne-Sophie Velich, je crois, qu'elle a presque fini, ça fait je sais pas combien de semaines qu'elle est dessus. Et elle a mis sur Instagram, est-ce que vous me recommandez, je sais pas quoi, de mettre la robe dans une tête d'oreiller pour les soirées au lave-linge? Donc on l'a dit, enfin beaucoup de gens ont dit oui. Et elle a fait une story après en disant, je me suis courée de programme, j'ai fait feutrer ma robe par endroits. Mon dieu, j'ai hâte qu'elle nous raconte ses péripéties. Oh la pauvre. Oh, la... Si c'est juste par petits endroits ça va, mais quand même franchement, les boules, les boules.
J'ai regardé le vlog 110 de Lauriane, l'eau demoiselle, c'était aussi très sympa. Elle a du courage avec sa couverture, moi je crois que j'aurais jamais le courage de faire cette couverture là. Je crois que ça me saoulerait de faire des petits morceaux dans tous les sens là. Bon, je crois que ça me saoulerait. Et le violet de son pull, je ne sais plus quoi, que Nadia vient sortir, canon. Je reviens. Bien, Julie sort de ce corps. Interruption téléphonique paternelle, voilà. Donc on parlait des vidéos, je ne sais plus si je vous ai parlé du vlog de Lauriane, si je vous avais parlé de son pull violet magnifique. Et ben c'est tout. Oh ben j'avais fini en vérité. C'est un peu bête de reprendre la caméra juste pour ça, mais je n'allais pas couper brutalement. Bon ben voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je sais pas quand je reviendrai, si je reviendrai quand j'aurai reçu les deux fonds la paire de Angélique de Woolly Skin. Pour vous montrer ça, c'est tout ce que j'attends. J'attends ma commande Kaya dont je vous ai parlé la semaine dernière, mais je sais pas si c'est extrêmement utile que je vous montre. Si je sais que vous me demandez souvent quel produit j'utilise, je vous montrerai. Et bien, je n'attends rien d'autre, ma foi. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard. On est mardi. Mardi très très printanier. Alors là, le jour commence à décliner un peu. Je m'y prends un peu tard aujourd'hui, mais journée très très printanière, c'est-à-dire que je suis sortie dehors comme ça cet après-midi, et j'avais presque trop chaud. Donc là, je suis à deux doigts de ressortir les t-shirts manches courtes, mais j'ai vu que la semaine prochaine, on avait une période de fraîcheur qui revenait, donc je vais pour l'instant m'abstenir, et j'ai vu qu'il allait même faire 2-3 degrés le matin la semaine prochaine, donc pull ! Je suis coiffée n'importe comment, vous m'excuserez, on n'est pas là pour reparler de mes cheveux. Même si je sais que c'est un sujet que vous aimez bien. Je sais pas, ils ont pas trop aimé mon shampoing d'hier, alors que c'est un shampoing que j'utilise souvent. Ils ont séché n'importe comment, enfin ils ont fini de sécher n'importe comment cette nuit. Ce matin, ils avaient une forme n'importe quoi et ils étaient très secs. J'ai mis des soins sans rinçage. Mais je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, ils sont plutôt secs. Et ils regressent un peu plus vite que d'habitude. Les hormones, j'en sais rien, la saison, bref, j'en prends soin, hein, comme d'hab, vous me connaissez, mais c'est vrai que moi je me formalise pas, s'ils ont une sale tête aujourd'hui, ils ont une sale tête aujourd'hui, et c'est pas grave en fait, en plus ils ont été attachés une partie de la journée, et voilà, mais on voit qu'ils sont, plus secs, je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est pas grave. Plusieurs choses aujourd'hui. Je vais pas vous montrer les trigos parce qu'ils ont avancé un petit peu, mais rien de fou, on en parlera jeudi ou vendredi. Par contre, j'ai des réceptions à vous montrer et deux choses que je voulais vous dire avant d'oublier. La première, c'est qu'on m'a reposé la question de comment... même trois choses à vous dire, du coup, mais les deux premières sont en lien. Comment postuler à des tests tricot ? Alors, moi, les toutes premières fois que j'ai postulé à des tests tricot, c'était sur Instagram, la designeuse qui lance un appel au test. Voilà, j'ai tel patron, je cherche des testeuses. Et alors, soit ça se passait par message privé directement, soit la designeuse nous renvoyait disait qu'elle mettait en lien un formulaire Google qu'il fallait remplir, et après elle sélectionnait les testeuses. Voilà. Ça marche encore beaucoup comme ça, il y a beaucoup de designeuses qui font leur appel aux tests directement sur Instagram, et après soit elles vous prennent directement en message privé, soit elle vous demande de remplir un formulaire, quelle taille vous voudriez tester, avez-vous déjà tricoté telle ou telle technique, comment estimez-vous votre niveau de tricot, avez-vous déjà testé pour d'autres gens, etc., etc. Et après, elles choisissent leur testeuse en fonction du nombre de testeuses qu'elles veulent dans chaque taille et du nombre de propositions qu'elles ont pour tester dans chaque taille. Et il y en a d'autres qui fonctionnent autrement. Alors, il y en a d'autres qui fonctionnent directement avec des groupes Discord. C'est le cas de Laetitia Mamelessange Tricote, Anaïs Louve, et peut-être d'autres, sûrement d'autres. Alors, Laetitia, je sais qu'elle relaye ses appels aux tests sur Insta, mais je pense qu'elle prend en priorité les gens qui se manifestent sur... elle donne un formulaire à remplir aussi, Laetitia, parce qu'elle a pas mal de testeuses, et du coup, elle sélectionne. Élise fonctionne via un groupe Slack, Élise donc Lucienne Tricote, elle lance ses appels aussi sur Insta et elle donne un formulaire à remplir et après elle sélectionne aussi parce qu'elle a eu des mauvaises surprises avant, elle avait tendance à prendre un peu tout le monde et les gens en profitent et c'est pas très sympa. Et sinon il y en a d'autres qui fonctionnent autrement, par exemple je sais que Nadia Crétin-Léchaine elle a une poule de testeuses visiblement depuis un moment.
Et de temps en temps, elle ouvre la place à de nouvelles personnes. C'est comme ça que j'ai pu rentrer dans cette testeuse en septembre dernier, parce qu'elle a dit, bon bah, si vous voulez tester pour moi, envoyez-moi votre adresse mail et je vous mettrai dans mon mailing list d'appel au test. Et donc, Nadia, ça se passe par mail. Mais je pense que Nadia a plusieurs groupes de testeuses, parce que moi je ne reçois pas tous les appels aux tests de Nadia. Par exemple, les deux patrons qui sont sortis dernièrement, là, le pull et le châle, moi je n'ai pas reçu l'appel aux tests. Son dernier pull en jacquard, je n'ai pas reçu l'appel aux tests. Mais elle sort tellement de patrons de toute façon que voilà. Mais Nadia, elle fonctionne différemment. Par exemple, il y a Atelier Émilie. Atelier Émilie, sur son blog, vous avez un formulaire qui s'appelle « Je veux rejoindre la mailing list de tests ». Donc moi, je me suis inscrite et j'ai rentré ce qu'elle demandait comme information. Et du coup, je reçois les appels aux tests d'Atelier Émilie par mail. Il y a quoi d'autre ? Il y a Aurélie Lapoule. Aurélie Lapoule, elle... Alors, je lui avais demandé si je pouvais tester le gilet Aidan. C'est comme ça qu'elle m'a ajouté à sa mailing list aussi. Sinon, je ne sais pas trop comment elle fonctionne, comment rejoindre sa mailing list. Mais du coup, maintenant, je suis dans la mailing list d'Aurélie Lapoule. Il suffit de lui demander, hein, est-ce que tu voudrais bien m'ajouter à ta liste de testeuses ? Elle vous dit oui, elle vous dit non, mais il n'y a pas de raison qu'elle vous dise non. Pour Audrey Borrigo, la première fois que j'ai testé pour elle, pour Yarn Flakes, j'avais vu un appel passer sur Instagram parce qu'il lui manquait des testeuses dans certaines tailles, dont la mienne. J'avais testé je sais plus quoi d'ailleurs. Je sais plus. Et peut-être le Télesto. Et du coup, après ça, je lui ai demandé si je pouvais rejoindre sa mailing list de tests, parce que c'était pas systématique, elle rajoute pas systématiquement les gens qui sont ajoutés en plus comme ça. Elle m'a dit oui, pas de problème, depuis je suis sur la mailing list de tests d'Audrey Borrigo, de Yarn Flakes. Et après les autres, je ne sais pas comment elles fonctionnent, je suis pas sur toutes les mailing lists de tests, hein. Je suis pas... Il y en a qui fonctionnent que sur Instagram, il y en a qui fonctionnent que sur des groupes Discord ou Slack, il y en a qui fonctionnent que par mailing list. Et dans la plupart des cas, les designers vous demandent de postuler et ce sont eux qui choisissent les testeurs, d'autant plus que dans les plus petites tailles, les tailles les plus standards, il y a souvent beaucoup plus de demandes que dans les grandes tailles. Moi je suis quasiment toujours prise parce que je demande une grande taille et il n'y a pas souvent beaucoup de gens. Mais... dans les petites tailles, il y a plus de monde et donc il y a des designers qui essayent de faire tourner aussi. Par exemple, quand je teste pour Chimpy and the Woolies, la toute première fois j'ai vu l'appel au test, j'ai postulé, elle m'a prise. Et ensuite, Chimpy, elle a sa... Donc c'est Sandrine, elle a sa poule de testeuses. Elle nous demande en avant-première, est-ce que vous voulez tester ce patron, oui ou non ? Par exemple, moi le dernier qu'elle a en test, là j'ai dit non parce que j'ai pas le temps. Et du coup, s'il lui manque des testeuses, après elle fait l'appel sur Instagram. Mais si on est assez nombreuses avec la poule de testeuses qu'elle a déjà, elle ne lance pas l'appel sur Instagram. Mais après c'est différent pour des chaussettes, il y a besoin de moins de testeurs. Voilà. Après pour les autres gens, je sais pas comment ça se passe. Quand j'avais testé pour Noémie, je crois que j'avais postulé par Instagram, je ne sais plus. Mais ça souvent par Instagram. Et après vous pouvez finir sur les mailing lists quoi. Ou je vous dis Atelier Émilie qui a directement le formulaire dans son blog qui s'appelle Rejoignez la liste de testeurs. Je me demande si quelqu'un d'autre ne fonctionne pas comme ça, je sais plus qui. Enfin voilà. Donc malheureusement, si vous n'êtes pas sur Instagram, vous allez passer à côté de beaucoup d'appels aux tests. Après, tester, c'est cool. Moi, j'aime bien, je trouve ça challengeant. Tout le monde n'aime pas avoir une deadline. Moi, je trouve ça hyper stimulant. J'adore. J'aime bien l'émulation qu'il y a autour du test. Même si je m'estime un peu être une testeuse en carton, parce que souvent, je démarre un peu en décalage. Et du coup, les premières erreurs ont déjà été relevées. Voilà, Cécile qui tricote, je postule tout le temps par Insta, je crois qu'elle fait pas de mailing list, si. Ah, je sais plus si elle a une mailing list ou pas, mais je crois que j'ai postulé par Insta tout le temps. Voilà, ça c'était le premier point, donc j'enchaîne sur le deuxième. J'ai été prise pour le test de Yarn Flakes du gilet, dont j'ai déjà oublié le nom. Elle a postulé sur Insta, je pense que vous pouvez le voir. Elle a publié sur Insta des photos déjà. C'est un gilet kimono d'été. Ah, je voulais vous ramener mon truc du commerce, j'ai oublié, je vous montrerai une prochaine fois. Gilet kimono d'été, donc ouvert, sans boutons, avec manches tombantes et juste des côtes. Enfin bref, j'adore. C'est... Je vous dis, j'ai le même truc, mais du commerce depuis 10 ans, que je mets tous les étés, printemps-été.
Je n'en ai pas d'autres parce que j'en ai jamais trouvé qui me plaisent vraiment en termes de forme. J'ai trouvé des kimonos, mais alors les matières aussi, les matières synthétiques un peu glissantes, je déteste ça, alors que moi, mon kimono, il est en jersey de je ne sais pas quoi, de coton peut-être. Bref, donc là, la forme, tout me plaît trop, je suis trop contente. Du coup, je n'ai pas encore 100% décidé sur quel fil j'allais partir. C'est jusqu'à fin mai, donc j'ai le temps. Là, je vais attendre la paye de la fin du mois pour commander la laine, parce que là, avec les frais veto et tout, c'est vraiment, ça va être un peu chaud. Et je me projette déjà sur 6 versions de 6 couleurs différentes, bref. Mais je sais que c'est une pièce que je vais énormément porter. Clairement, je le sais. Même dès maintenant, quoi. Même sur un truc à manches longues, trop chaud pour mettre un pull ou un gilet. Tout à l'heure, franchement, j'hésitais. J'ai dit, je prends un gilet, je prends pas de gilet. Et j'ai pas pris de gilet, quoi. Et clairement, j'aurais pu enfiler ce genre de kimono. Donc je suis trop contente. Donc vous le verrez sur mes aiguilles prochainement. De toute façon, d'abord, il faut que je finisse les deux en cours. Ensuite, un autre truc que je voulais, un peu moins fun, dont je voulais vous parler. J'ai eu plusieurs commentaires dernièrement sur Insta, pas sur Insta, enfin des messages sur Insta et surtout des commentaires sur YouTube qui sont pas du tout méchants, vraiment pas du tout, mais des gens qui insistaient pour en savoir plus sur moi. Bon, j'en dis déjà pas mal ici, mais après je dis ce que je veux. Et tu fais quoi comme boulot? Et moi je veux savoir ce que tu fais comme boulot parce que tu tricotes beaucoup, etc., etc. Surtout sur le boulot, après d'autres trucs aussi, mais enfin voilà, des gens qui sont allés jusqu'à fouiner un peu, enfin fouiner c'est public, hein, on s'entend, dans les vieux posts Insta ou dans les vieilles vidéos YouTube. Sachez que 99% du temps, je sais parfaitement ce que je mets sur mon internet. Et c'est en accord avec ce que je veux qu'il soit en libre service sur internet. C'est-à-dire que je mesure mes propos, je mesure ce que je dis et je mesure ce que je dévoile de ma vie privée. Et sachez que vous ne savez pas grand-chose de ma vie privée parce que, pour diverses raisons, déjà parce qu'il y a des choses dont je n'ai pas envie de parler, encore moins avec des inconnus. Si mes amies étaient là, elles vous diraient qu'il y a des trucs dont j'ai mis plus d'un an à leur parler, à des amis que je connais en vrai et que je vois souvent, donc c'est clairement pas pour aller étaler ma vie sur auprès de gens que je ne connais pas sur un espace public. Et sachez qu'il y a beaucoup de choses de moi que vous ne savez pas et que vous ne saurez probablement jamais parce que c'est privé, tout simplement. Alors, ne fantasmez pas, je ne suis pas escort girl, je ne travaille pas pour les renseignements généraux, voilà. Non, j'ai un boulot tout à fait lambda, j'en avais parlé il y a pas mal d'années de ça, un tout petit peu sur les réseaux sociaux, peut-être pas sur YouTube, peut-être sur Insta, je sais plus, et ça avait déferlé sur des polémiques, etc., qui étaient très désagréables, donc j'avais décidé à ce moment-là de ne plus du tout parler de boulot. De toute façon, ici, c'est une chaîne de loisirs et de passion, et donc le boulot n'a pas sa place. Je fais un boulot lambda, dites-vous vraiment, je fais un boulot ultra lambda. Après, vous me dites, oui, mais alors, t'as le temps de beaucoup tricoter. Alors, j'ai reçu des « t'as le temps de beaucoup tricoter, tu dois être indépendante et bosser de chez toi. T'as le temps de beaucoup tricoter, tu dois faire du 100% télétravail, machin. » J'ai plusieurs raisons qui font que je tricote beaucoup. Déjà, parce que je tricote beaucoup. Il y a des gens qui vont faire du sport, il y a des gens qui vont à des spectacles, il y a des gens qui vont au resto, il y a des gens qui regardent des séries, il y a des gens qui lisent beaucoup de livres, il y a des gens qui font de la cuisine. Tout ça, moi, je fais pas vraiment. Donc je tricote beaucoup, parce que je passe beaucoup de mon temps libre à tricoter. Et je n'ai pas d'enfant, ce qui est un facteur énorme à prendre en compte, à mon avis, et je vis seule, donc j'ai pas à cuisiner pour le conjoint, le machin. Voilà, j'ai pas à me soucier de ça, à véhiculer les enfants à droite à gauche, voilà. Et je travaille près de chez moi, donc exit les 12 000 heures de voiture ou de transport en commun dont beaucoup de gens, que beaucoup de gens subissent et se payent dans les dents et qui pour moi sont une perte de temps incommensurable. J'ai vécu ça de mon entrée en 6e à ma dernière année d'études, j'avais 20 minutes de marche à pied pour aller de chez mes parents à la gare, puis 15 minutes de train, puis une dizaine de minutes de bus
puis, enfin 15-20 minutes de train, puis une grosse dizaine de minutes de bus, puis encore 10 minutes de marche à pied, c'est pas énorme. Matin et soir, pendant, donc, de collège jusqu'à mon bac plus 5, clairement, j'en pouvais plus. Ça me pesait, mais à un point, vous n'imaginez même pas, parce que c'était pas un transport scolaire, c'était le RER, le bus de la ville, enfin voilà. Donc je subissais les retards, les grèves, les trains blindés, les gros mecs salaces dans les RER quand t'es aux heures un peu creuses, enfin voilà. Parce que moi en plus je prenais le train dans le sens inverse des gens. Le matin les gens vont vers Paris et le soir les gens vont vers la banlieue et moi je faisais l'inverse. J'allais le matin vers la banlieue et le soir direction Paris. Donc voilà, mais enfin c'est un choix que j'ai fait d'habiter dans une ville qui ne me plaît pas plus que ça, mais qui était accessible financièrement pour moi aussi, hein, faut dire ce qui est, et surtout qui me permet de n'avoir quasiment aucun transport. Donc enfin, de n'avoir aucun transport, c'est-à-dire que je peux aller travailler à pied. Voilà, donc ça ajoute du temps au temps, quoi, clairement. Et puis, je tricote vite, je le répète souvent, mais vous ne me croyez pas, mais je tricote à l'anglais, ça veut dire avec le fil dans la main droite, et je ne lâche pas le fil, parce que c'est comme ça que ma grand-mère m'a appris à tricoter, et je peux vous assurer que c'est un gain de temps énorme en comparaison aux gens qui lâchent le fil pour le passer sur l'aiguille. Vraiment, je sais que si vous avez appris en lâchant le fil, c'est hyper dur de changer ses manières de faire, mais moi je vous assure que c'est un gain de temps énorme. Voilà, et pour conclure, sachez qu'il y a des choses que je veux garder privées, et elles le resteront. Vous ne me forcerez pas à parler en insistant. Voilà, vous ne connaissez pas ma famille, vous ne la connaîtrez pas, vous ne connaissez pas mon histoire, parce que mon histoire, elle est ce qu'elle est, tout le monde a son histoire. Vous ne connaissez pas plein de choses de ma vie, et c'est mon choix de n'étaler que ce que je veux sur les internets. Voilà. Sinon, je voulais vous parler, avant qu'il fasse vraiment nuit, là. Ah, je voulais filmer après une vidéo hors série, mais il va faire trop nuit. Pff, c'est nul, je m'y suis prise trop tard aujourd'hui, tant pis. Je voulais vous parler de réception. Pas forcément laineuse, mais de réception. Déjà, je vous avais dit que je vous parlerais de ma réception Kaya. J'ai commandé chez Choose, vous savez, Kaya, c'est le CBD que je consomme depuis 3 ans et je fais le plein à peu près 3 fois dans l'année. Vraiment, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Après, il y en a qui veulent pas y croire, il y en a qui nanana. Moi, le CBD, franchement, ça a été une révolution dans ma vie puisque je souffre de troubles anxieux et ça ne guérit pas les troubles anxieux, mais ça m'aide comme une béquille vraiment quand même énorme pour baisser le tout. Et là, j'ai repris 6 mois de cure de Power, cure adaptogène au CBD, donc avec du CBD à hauteur de, je crois, je ne sais plus combien de CBD par capsule, 10 mg dans 2 capsules, de l'ashwagandha, de la rhodiola, du ginseng, de l'amla, du guarana et du safran. Donc ça, c'est les compléments alimentaires. Ça fait 3 ans que j'en consomme. Là, j'ai repris 6 mois de cure parce que reprendre 6 mois, c'était moins cher que reprendre 3 mois. Et généralement, ce que je fais, c'est que je fais 3 mois de cure, un petit mois de pause, parce que généralement, c'est pas du tout addictif, c'est juste que je sens vraiment à quel point ça m'apaise, et je me dis, au-delà d'un mois de pause, les effets vont partir, et je vais me ressentir plus mal, entre guillemets, même si il n'y a pas du tout que le CBD dans ma vie pour m'aider à gérer les troubles anxieux. Mais en gros, voilà, je fais 3 mois de cure, 1 mois de pause, 3 mois de cure, 1 mois de pause, et je fais ça depuis 3 ans, et quelqu'un m'écrit, je ne sais pas pourquoi, c'est mon père, on verra plus tard ce qu'il m'envoie. Et franchement, ça marche très très bien, la combinaison des plantes adaptogènes avec le CBD sur moi, ça marche très très bien. Et quand j'ai commencé les cures il y a 3 ans, j'ai vu vraiment la différence au bout de, je sais pas, 2-3 semaines. Ça m'apaise le niveau anxieux. En fait, vous voyez, vous imaginez que mon niveau anxieux, c'est un bocal plus ou moins rempli d'eau. Plus il y a d'anxiété, plus le bocal est rempli. Et de base, le fait de faire cette cure, ça vient enlever quelques millilitres à mon bocal. Et franchement, ça fait une énorme différence. Et je me souviens que la première grosse différence que j'ai vue, et qui était flagrante, sur quelque chose qui m'était vraiment très, très désagréable dans la maladie, c'est que à l'époque où j'ai commencé, je me réveillais tous les matins en crise d'angoisse, attaque de panique, comme vous voulez, c'est la même chose. C'est-à-dire que je me réveillais, j'avais le cœur qui battait à 130, j'étais déjà, avec un taux d'adrénaline et de cortisol à exploser le plafond, et
quand j'ai commencé cette cure, j'ai senti que ça s'était déjà baissé d'un gros cran, voire ça avait 80% du temps disparu au réveil. Et franchement, c'était un énorme pas en avant pour moi, parce que c'était un supplice de se lever le matin, de savoir qu'on allait se réveiller et que j'allais être en PLS du feu de Dieu. Après voilà, j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup pris conscience de certaines choses, etc. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 3 ans, mais ça a été une vraie béquille. Voilà. Autre chose que je voulais vous montrer, j'avais passé une commande chez Laura Coupeau. Je ne m'en rappelais plus, c'était une précommande, ça fait super longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez Laura Coupeau, c'est une jeune créatrice qui crée des badges. Et elle crée des badges avec des punchlines, des motifs un peu rentre-dedans, enfin pas des motifs, des phrases un peu rentre-dedans. J'aime beaucoup, vous savez que je suis un peu une rentre-dedans. Et alors tout me parle pas, mais il y a des phrases vraiment top. J'ai jamais osé passer le cap parce que je porte pas de broches de pins à vrai dire. Alors je crois que là ce que j'ai acheté c'est pas ce qu'elle fait globalement. Globalement elle fait des broches qui elle découpe, alors elles sont toutes en forme de cœur et elle les découpe dans du plexiglas coloré. Et elle le grave avec la phrase en question. Moi, ça, la broche que j'ai failli acheter il y a quelques temps, c'était « Je peux pas, j'ai crise d'angoisse ». Mais il y a des trucs genre « Pas trop près de moi ». Vous irez voir son compte Instagram à Laura Coupeau. Ça s'écrit comme ça, Laura Coupeau. Laura Coupeau, voilà. Et là, elle avait fait des précommandes pour aider à financer l'opération de son chat. Et vous allez voir le pins que j'ai acheté, du coup, je voulais soutenir pour aider à l'opération de son chat, et j'avais très envie aussi de ce pins. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, j'hésite à le mettre sur ma banane, mais je ne sais pas si je vais assumer. Donc voilà, j'ai gardé la boîte parce que même la boîte, elle est top. Regardez-moi ce stickers. Voilà. Sans les chats, la vie serait vraiment pas ouf, je suis d'accord. Et je voulais vous montrer donc la broche, mais aussi l'emballage et le petit sticker sans cadeau. Donc regardez l'emballage, voilà, c'est à l'effigie de toutes les punchlines qu'elle a. Donc j'ai survécu à tout, besoin d'une sieste de 4 heures, j'en ai déjà marre, on se fait chier, au pire on s'en fout, enfin voilà, que des punchlines comme ça. Et il y avait un petit stickers beaucoup, beaucoup, beaucoup trop mignon, avec des chats et tout, j'aime trop. Et la broche en question, c'est celle-ci, folle à chat. Voilà, donc c'est une broche en métal, hein. C'est pas ce qu'elle fait, c'était beaucoup moins cher que quand elle les fait. Là je pense qu'elle les a fait faire, quand elle les fait elle-même avec du plexiglas, c'est plus cher. Mais folle à chat, ça me correspond tellement, donc voilà, folle à chat, j'aime trop. Folle achat, c'est moi. C'est moi. Et donc, bah voilà, je voulais soutenir Laura depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je la suis. Et voilà. Et pour finir, le dernier petit colis que j'ai reçu, c'est... J'ai reçu la box sur les deux... Donc les deux font la paire. Je parle beaucoup aujourd'hui, hein, de Woolly Skin sur le thème Alice au Pays des Merveilles. Et c'est la reine et le roi de cœur. Et je n'ai pas... ouvert du tout, j'ai juste ouvert le carton pour vous montrer, je n'ai pas ouvert du tout. Alors la dernière fois il y avait des biscuits, là c'est tombé, il n'y a pas l'air d'avoir de goodies, mais je crois pas qu'il y avait de goodies dans la première non plus que j'avais acheté, c'était quoi? C'était vice versa. Alors il y a la petite carte, les deux font la paire, collection exclusive Alice au Pays des Merveilles. Alors je trouve ça dommage que sa boîte elle ferme pas, à chaque fois c'est la même histoire. Toutes les boîtes arrivent ouvertes, du coup, je vois le truc. Alors moi, je les rescotche tant que je les utilise pas. Parce que comme les boîtes, elles sont... Comment on dit? Personnalisées? Non. Je ne sais pas. Remplissez le mot, le texte à trous avec le mot que vous voulez. En fonction du thème, pour l'instant, tant que je tricote pas le kit, je garde les kits dans les boîtes parce que, vous voyez, elles sont toutes... Elles sont toutes personnalisées avec le thème. Et donc, bon, on va découvrir ensemble, puisque je n'ai pas regardé. Bon, j'ai vu un tout petit peu, mais pas le contrastant. Et donc, ah, il y a un biscuit. Il y a un biscuit. Je savais qu'il y avait des biscuits. C'est Eat Me, toujours de chez Hello Blush Biscuit. Eat Me, bah, t'inquiète pas, ça sera fait. Et donc, ah, c'est très très beau. C'est très très...
très beau. Alors, je pense que vous l'avez peut-être un petit peu plus foncé que ce qu'il n'est parce qu'il commence à faire sombre. C'est du noir avec une sorte de rouge, plutôt rose violacé, orange. C'est magnifique. C'est magnifique. Et la base chaussette de Bully Skin, c'est une base retordue qui fait 365 mètres. Et donc, c'est une base super dodue. J'aime beaucoup. Oh, c'est si beau. Ouais, je pense que vous voyez plus rouge que ça n'est. Vous voyez, là, c'est plus rose, violet. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Donc, je suis très contente encore une fois. Si j'y pense et que je ne l'ai pas rangé d'ici là, je vous la remontrerai quand un jour où il fera moins nuit. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Je mets toujours la petite carte dedans et je vais remettre un bout de scotch pour garder ça bien fermé. En fait, je pense qu'il manque un ou deux centimètres à sa boîte pour que ça rentre... vraiment, vraiment bien. Qu'est-ce que tu fais, Perle? T'es un peu neuneux. Perle, elle est dans son panier à chat, qui est... enfin, dans son arbre à chat, qui est à côté de la fenêtre. Sauf qu'il y a... enfin, j'ai une porte-fenêtre et une fenêtre toute seule après. Et elle a la tête devant la séparation en plastique. Du coup, au lieu de regarder dehors, elle regarde le bout de plastique. T'es pas un peu neuneux? Si. Bon, bref, je sais pas, peut-être qu'elle dort, en vérité. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, c'est assez parlé, ça va être hyper long cette semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi pour le bilan tricot. Et voilà, donc je vous ai dit cette semaine que deux projets, la semaine prochaine je pense que deux projets aussi, et après je castonnerai des trucs, voilà. Ou je reprendrai des vieux trucs aussi. Mais... Re, je viens clore cette vidéo, nous sommes vendredi, je ne sais pas combien, mars 22, un truc comme ça. Oh, 22, pile poil, gagné. Je viens clore cette vidéo qui va être un peu longue quand même, je crois, même s'il n'y a pas beaucoup de tricot, mais il y a beaucoup de blabla. Et je ne regrette pas d'avoir un peu poussé un coup de gueule, en quelque sorte, hein, c'était gentil. Et la dernière fois que je suis venue vous parler, parce qu'il y a des choses qui sont venues encore alimenter ma réflexion et mon agacement depuis... Et je vais essayer de pas trop l'aborder longuement ici, parce qu'on en a déjà parlé la fois dernière, enfin la dernière séquence qui était il y a quelques secondes pour vous, mais quelques minutes, mais j'ai encore eu un commentaire YouTube notamment, mais c'est pas le seul, dernièrement, et ça m'agace, de gens qui font des suppositions sur ma vie, qui m'inventent une vie, pour combler les trous des choses que je ne dis pas, parce que je n'ai pas envie d'en parler sur Internet. Et ça me fatigue. Ça me fatigue parce que sur Internet, soyez bien conscients qu'on choisit ce qu'on dit, qu'on choisit ce qu'on montre. Et personnellement, je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je montre de mon intimité. On est là pour parler. Moi, mes réseaux sociaux ont vraiment cette tendance de partage, que ce soit partage, plaisir et passion. Donc il y a eu les cheveux c'est toujours le cas même si j'en parle moins, il y a les loisirs créatifs, ça a une place énorme dans ma vie, ça c'est le partage plaisir, le partage passion, et il y a un peu ce côté aussi militant, éducatif que j'ai envie de partager, alors c'est un bien grand mot parce que ça fait très condescendant de dire éducatif, mais le côté un peu féministe, entre guillemets, parce que vraiment je suis pas une militante féministe, hein. Il y a des nanas qui font bien plus de taf que le peu que moi je fais, féministe, écolo, protection animale et santé mentale. C'est mon tout petit côté militant éducatif, sensibilisant plutôt que éducatif, à sensibiliser. Voilà, c'est ça dont j'ai envie de parler sur ma chaîne. Et il y a des pans de ma vie privée, beaucoup de pans de ma vie privée que vous ignorez, mais totalement. Et sachez que ma vie privée, le nombre de gens qui connaissent vraiment beaucoup de moi en privé, franchement, je pense qu'on peut les compter sur le doigt d'une seule main et ça la remplit même pas. Donc ne pensez pas que je vais aller étaler ma vie sur Internet. Il y a des choses qui n'ont pas leur place parce que je n'ai pas envie de leur en donner, notamment ma famille. Vous n'avez pas vu ma famille, vous ne verrez pas ma famille et vous n'en saurez pas plus sur ma famille. Quand je vous parle de mon lieu d'habitation, je ne vous parle jamais de mon département, je vous parle uniquement de ma région parce que vous n'avez absolument pas besoin de savoir dans quel département j'habite, ça ne vous regarde pas, et qu'est-ce que ça peut bien vous faire. Je ne vous parle pas de mes problèmes de santé physique, parce que ça n'a pas sa place ici, je n'ai pas envie d'en parler, parce que c'est pas le lieu, c'est pas le moment pour moi. Je parle de santé mentale, mais vraiment, je vous assure que j'en parle de manière beaucoup plus générique que personnelle, parce que j'estime que c'est important, mais clairement, vous ne savez absolument rien des détails de ma santé mentale au niveau purement personnel. Je ne parle pas de ma situation affective amoureuse parce que ça ne vous regarde pas. Je ne parle pas de mon travail parce que je n'en ai aucune envie.
Voilà, donc arrêtez s'il vous plaît de combler les trous de votre curiosité mal placée en m'inventant des trucs, que ce soit à moi ou à d'autres. Je trouve ça extrêmement pénible. Si vous avez envie de faire les curieux et d'aller scroller la vie des gens, vous allez sur TikTok, vous allez sur des chaînes de télé-réalité ou vous lisez un roman. Ça comblera votre curiosité, mais s'il vous plaît, arrêtez. J'entends bien que certains sont très curieux et ont envie de combler une curiosité presque malsaine en sachant tout sur la vie des gens. Bah, vous n'êtes pas bienvenue ici parce que vous ne saurez pas plus de détails sur ma vie. Voilà, les détails de ma vie, je les réserve à mes amis, et encore, nombre de mes amis ne savent pas tout. Ma famille est loin d'absolument tout savoir sur ma vie, et parce que ça me regarde, parce que je suis aussi quelqu'un qui aime préserver son jardin secret. Voilà, on va s'arrêter là parce que c'est pas la peine d'en faire plus, mais s'il vous plaît, arrêtez de m'inventer des vies, parce que soit je vais vraiment finir par m'énerver, soit je vais finir par vous répondre absolument n'importe quoi, juste pour vous faire plaisir, et alors là, on pourra donner lieu à 1001 interprétations, j'aurai 3000 vies, 12000 lieux d'habitation, 50 maris, et 4 jobs, enfin, voilà. Voilà, je suis désolée que votre curiosité ne soit pas comblée, mais je dis ce que je dis, et je sais que certains sont allés fouiller dans mes contenus pour essayer d'assouvir leur curiosité, ça ne leur a pas suffi, bah oui, parce que je n'en dis pas plus qu'ici, donc désolée, mais voilà, je vous dis, moi je suis pas une chaîne de télé-réalité, hein. C'est clairement pas le but, le but c'est de partager autour de sujets qui m'animent, et c'est tout. Voilà, il y a eu aussi un petit sujet sur Instagram hier, j'avoue que je pense que je suis particulièrement vulnérable en ce moment, et particulièrement sensible, donc ça m'a peut-être touchée un peu trop, j'ai pas encore répondu au message privé de la personne qui, je sais, et d'une gentillesse incroyable, et d'une bienveillance aussi, et je lui en veux pas, mais ça m'a énervée, on m'a fait un commentaire positif sur mon physique, mais en mode injonctif, et ça c'est non pour moi, on ne fait pas de commentaires aux gens en mode injonctif. Alors ne me dites pas, s'il vous plaît, oh là là, on peut plus rien dire. Non, sur le physique des gens, on ne peut rien dire, hormis quelque chose que la personne peut changer immédiatement dans les 30 prochaines secondes, à savoir, son lacet est défait, son pull est à l'envers, elle a une feuille de salade sur les dents, c'est tout. Voilà, et donc, en l'occurrence, le message concernait le maquillage, et c'était très gentil, ça me disait, tu devrais te maquiller plus souvent. Mais en fait, pourquoi est-ce que je devrais, pourquoi est-ce que j'aurais cette obligation pour répondre à qui, à quoi, pourquoi, quels critères, enfin... Ce genre de paroles, pour moi, sont extrêmement déplacées parce qu'en fait, ça donne un jugement sur l'autre et ça sous-entend, bien entendu, c'est très inculqué, c'est très banalisé et c'est très ancré et donc on le fait sans même s'en rendre compte, mais ça a un fond de... Pour que tu répondes à l'image que j'ai envie d'avoir de toi, tu dois faire ça. Et c'est hyper malsain. Et là, c'était gentillet sur le maquillage, mais transposez ça, par exemple, aux nanas qui ont les cheveux texturés. Ah là là, tu t'es lissé les cheveux, ça te va bien, tu devrais le faire plus souvent. Punaise, mais en fait, on se bat tous les jours au quotidien pour que on arrête avec cette culture du lissage, des cheveux lisses et des femmes blanches aux cheveux lisses qui sont le stéréotype de la beauté. Vous vous rendez pas compte de l'impact énorme que ça a sur l'estime de soi des gens, au même titre que quelqu'un qui aurait... décidé de laisser ses cheveux blancs. Oh là là, dis donc, tu devrais te colorer les cheveux, ça te va bien. Bah ouais, mais non, en fait, parce que ça, c'est pareil. Moi, c'est un truc qui me gonfle, j'en discutais avec une nana qui est créatrice de contenu beauté sur les réseaux sociaux, et je lui disais, moi, j'aimerais qu'on arrête ça, de passer les deux tiers de sa vie à essayer de ressembler à la personne qu'on était pendant le premier tiers. Mais qu'est-ce qu'on se gâche la vie à cacher les cheveux blancs, à cacher les rides, à cacher son corps, à essayer de faire plus jeune tout le temps. C'est insupportable. Moi, je trouve ça insupportable. Insupportable. Et la société ne nous aide pas, hein, parce que clairement, une femme de moins de 70 ans qui a les cheveux blancs, oulalalala, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait vieille, mais qu'est-ce qu'elle devrait se teindre les cheveux. Bref, je divague, vous sentez que c'est un peu des sujets touchy chez moi aussi, tout ça. Ça rejoint l'anxiété, le trouble anxieux, le manque de confiance et d'estime de soi, etc. L'éducation que j'ai reçue aussi, qui est pas franchement safe de ce côté-là. Bref, je suis pas énervée contre vous, je vous aime beaucoup, mais s'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites, parce que vraiment, ça peut résonner très bienveillant dans votre bouche, et ça peut être reçu comme très injonctif ou très... critique dans la bouche d'autrui, et ça peut avoir un gros impact
sur le, la santé mentale de l'autre en face. Voilà, il faut qu'on s'éduque à arrêter de porter un jugement sur tout, tout le temps. Et il y a une très grosse différence entre dire « tu devrais te maquiller plus souvent » et dire « ton maquillage est très joli, il te va très bien ». Ça, c'est ton avis qui t'appartient. Ça n'a aucune incidence sur moi. Dire « tu devrais », ça a de l'incidence sur moi. Ça paraît subtil, mais c'est énorme, c'est énorme. Bref, c'est tout ce que je voulais faire comme petit aparté. Aujourd'hui, je porte un gilet que je ne porte quasiment jamais, et pour cause, je crois que je ne l'ai quasiment jamais porté depuis que je l'ai fait, parce que, déjà parce que j'ai sué sang et eau pour le faire, parce que franchement, c'était pas hyper agréable à faire, vu que c'est du noir, et parce qu'il est pas encore sorti, et parce qu'il est encore un peu mal foutu au niveau des raglans. Alors ça va, c'est un gilet, ça se voit moins, mais les raglans sont encore assez bas, et j'ai encore beaucoup de matière ici, comme d'habitude. C'est le gilet Bourgeon d'Avril de... Comment s'appelle-t-elle ? Un Amour de laine, qui a la particularité d'avoir tout un motif de feuilles sur les épaules. J'aime beaucoup, il est manche 3/4, il est col V, et la bande de boutonnage est en jersey double, et moi j'ai mis des petits boutons... Des petits boutons à paillettes. Là, il est parfaitement adapté à la saison. Alors, il n'est pas... Vous pouvez le voir sur ma fiche Ravelry. J'ai la fiche Ravelry. Je l'ai testé pour Un Amour de laine il y a un an et demi. Mais le patron n'est toujours pas sorti. J'avoue, j'ai lâché l'affaire de ce truc. Je ne sais pas quand il sort, pourquoi, comment, qu'est-ce, nanana. D'après ce que j'ai compris, ça va être un e-book qui va sortir en avril-mai de cette année, je crois. Je n'ai pas trop saisi l'affaire. Je vous en parlerai si je vois qu'il sort. Je l'ai tricoté en Alpaga Silk, Baby Alpaga Silk de Drops, qui n'existe plus. Ils ont supprimé cette qualité, c'est bien dommage, parce que la designer voulait absolument un fil contenant de la soie pour tester ce gilet, puisque son prototype contient de la soie, et c'est vrai que ça donne une certaine fluidité. Bref, ça me fait dire qu'il me faut d'autres... gilet en fingering comme ça, vraiment, il m'en faut d'autres. C'est... Alors, il y a le kimono d'Audrey que je vais faire, mais le kimono, c'est encore autre chose, on est sur un step encore plus chaud. Là, c'est vraiment le type de pièce que j'arrête pas de mettre et de retirer, là, quand il commence à faire beau comme ça. Donc, faudrait vraiment que je me motive à faire d'autres gilets de la sorte. Grosse pensée pour Mélanie des Aiguilles Aventurières, que j'ai regardée hier soir, qui disait que elle, quand il fait 20 degrés chez elle, elle a un damar, un pull en mohair et un châle sur les épaules. Moi, quand il fait à partir de 19 degrés chez moi, je suis en t-shirt. À la rigueur, j'enfile de temps en temps un petit gilet, mais pas plus. Voilà. Et je porte aussi... Alors, je voulais vous en parler parce que ça peut vous donner des infos. Et puis, je le dis pour moi aussi. Et j'ai le nez qui coule. Je pense qu'il y a de l'allergie un petit peu dans l'air. Je porte mes chaussettes en fil... Tutti Frutti de chez Regia que j'ai faite l'année dernière, c'est le fil fraise, et clairement ces chaussettes ne vont pas. Alors, clairement là je ne peux plus porter les chaussettes tricotées. Alors la semaine prochaine il va faire froid, donc peut-être que je pourrais porter mes chaussettes en laine, mais après c'est fini. Donc j'ai sorti mes chaussettes en coton, enfin en coton, en fil d'été, que je ne porte pas le reste de l'année, hein. J'en ai pas beaucoup de paires en plus, il faut vraiment 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 que j'en fasse d'autres. Et j'avais fait celle-ci l'année dernière... Voilà, des chaussettes toutes simples, de la pointe aux pieds, etc. Déjà, vous voyez, elles se sont... C'est le deuxième jour où je les porte, et elles se sont agrandies de fou. Alors, les chaussettes en laine, déjà, ça a tendance à bouger, et moi, elles ont tendance à s'agrandir. Elles reviennent à leur taille initiale au lavage, etc. Là, je trouve que ça s'agrandit encore plus. Je ne sais pas si j'ai tricoté ça en 2,25 ou en 2,5, mais vu la taille des mailles, je dirais peut-être du 2,5... 2,25 ce serait mieux. Ne pas hésiter à faire une aisance négative un peu plus grande, aussi bien en largeur qu'en longueur, parce que ça a tendance à s'agrandir, surtout en largeur. Et là, vous voyez, j'avais fait une tige et des côtes. Clairement, les côtes ne tiennent pas du tout à ma cheville. Elles passent leur vie à se replier comme ça, etc. J'ai fait une autre paire avec un autre coloris de la même gamme, des sockets élastomères de Lissandre. Et clairement, c'est beaucoup mieux. Je me dis qu'avec des fils d'été comme ça, il ne faut pas que je fasse des chaussettes classiques, il faut que je fasse des sockets avec un rabat cousu, là, comme les élastomères de Lissandre, qui est un patron tip-top, parce que ça tient à la cheville, alors que ça ne me tient pas du tout. Donc, j'hésite presque même à détricoter, comme j'ai fait mon rabat en haut, détricoter le haut, et refaire finir la chaussette en faisant une languette, en fait, comme dans le patron élastomère, ou même Clotrico a fait un tuto sur sa chaîne de comment faire une languette
sur des chaussettes. Donc même si vous n'avez pas le patron des élastomères ou que vous voulez faire un talon à rang raccourci comme j'ai fait là, et pas un talon renforcé à gousset comme sur les élastomères, vous pouvez. Clairement, si j'avais pas des tests, là, si je me retenais pas, je castonnerais direct une paire de sockets élastomères, parce que vraiment, je me rends compte que j'en ai grand besoin, et j'en ai qu'une. J'ai quelques paires de sockets, mais il y en a une qui est trop petite, elle est vraiment trop petite, il y a trop d'aisance négative en longueur. Une qui est un peu trop farfelue, à mon goût. L'autre, où le rabat est en dents de chat, mais c'est cousu, il faudrait que je défasse cette couture et que je fasse un rabat tricoté, ça tiendrait beaucoup mieux. Et les élastomères, et celle-ci. Et en plus, je sais pas ce que j'ai foutu, mais là, vous voyez, ça tire pas mal, et ça fait une sorte de micro-trou, ça m'énerve. J'aime pas du tout, je sais pas si j'avais rentré un fil ou quoi, non, ça a pas l'air. Faudrait que je passe un fil. Bref, c'est pas une très grande réussite, mais ce qui est sûr, c'est que je commence à avoir beaucoup de chaussettes en laine et j'ai pas beaucoup de chaussettes en fil d'été. Et là, c'est la saison où je les porte. Donc, il m'en faut plus. Voilà. Donc, moi, ce que je vous donne comme conseil, si vous utilisez des fils d'été, c'est n'ayez pas peur d'utiliser une aiguille plus petite et de faire un peu plus d'aisance négative, surtout en largeur, parce que ça s'agrandit un peu. Et tester les patrons de sockets du style les élastomères de Lysandre, parce qu'elles sont géniales. Je remets ma chaussette parce que mine de rien j'ai un peu froid aux pieds, et on va passer à la suite avant que cette vidéo fasse 1000 ans. Niveau tricot, je vous avais dit que mes objectifs c'était de finir le corps du Ampelia et de rejoindre en rond sur le Aconite, qui sont deux tests, le premier pour Nadia, le deuxième pour Yann Flakes, mais je vous en ai déjà parlé. J'ai fait 1000 réflexions aussi sur le kimono Atul d'Audrey que je vais tester. J'ai vu les autres testeuses, qu'elles vont utiliser comme fil et tout. Enfin, j'ai commencé à me noter plein d'idées de fil avec des choses que j'ai en stock, d'autres que je n'ai pas, où il y a des quantités que j'ai en stock mais j'en ai pas assez, mais je peux racheter des pelotes. Enfin, voilà, j'ai pas encore posé mon dévolu sur quelque chose, mais ça trottine là-dedans, c'est assez agréable. Et donc, je n'ai pas fini le corps du Ampelia, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai quand même bien avancé. Donc, je suis dans les côtes qui sont bien avancées, hein, on est d'accord, mais je vais encore en faire un petit peu parce que les côtes, je crois que c'est 5 cm et là, j'ai pas 5 cm. Et de toute façon, j'aime bien les côtes un petit peu grandes. Je n'ai pas fini tout simplement parce que les côtes 1-1 torse sur une si grande distance, ça me fait vraiment mal aux mains et ça a tendance à m'engourdir les doigts, donc je ne force pas. Ce que je fais, c'est que je fais un rang de côte, quelques rangs sur le Aconite, un rang de côte, quelques rangs sur le Aconite, etc. Donc ça avance tout doucement, ça va finir par être fini, mais je peux pas faire plus de un ou deux rangs d'un coup, ça me fait trop mal. Donc voilà, et après bah, il faudra reprendre les manches. Et du coup, si on regarde le Progress Keeper, depuis une semaine, j'ai fait ça. Et c'est somme toute pas mal du tout. Et pour ce qui est du Aconite, j'ai quoi? Qu'est-ce que je voulais vous dire, un autre truc, j'en suis sûre. Je ne sais plus. J'ai rassemblé en rond, bon je vous représente pas les laines, hein, vous les connaissez. J'ai fini, j'ai rassemblé en rond, je suis pas en avance pour le test. En fait, le test de Nadia, je pensais qu'il sortait fin mars, mais non, il sort début avril. Et je crois que lui, il sort début avril aussi. Mais je suis beaucoup moins avancée que sur le test de Nadia. J'ai des gros doutes, de très très gros doutes sur le fait que j'ai fini, parce que le fil est très fin, donc ça avance, mais ça avance lentement. Mais je sais qu'Audrey ne m'en tiendra pas rigueur, donc bon. Je suis pas très fière de moi, mais je sais qu'Audrey ne m'en tiendra pas rigueur. Donc, j'ai rassemblé en rond. Et j'en suis là, voilà. Donc, j'ai rassemblé en rond. C'est très cool, j'aime bien. Alors, des fois, je regarde, je me dis j'adore. Et des fois, je regarde, je me dis, oh, ça fait un peu mamie, cette couleur. En vérité, je pense que j'aurais pu faire moderniser le truc en faisant vraiment des couleurs, genre un crème avec un corail flashy ou un truc comme ça. Mais c'est pas mal quand même. Et donc j'ai rassemblé en rond et j'ai commencé à tricoter le corps. Et j'ai fait ça. J'ai fait ça sous le corps, donc sur le corps. Donc bah voilà, ça va avancer. Ce sont des manches tombantes. Les emmanchures me paraissent gigantesques. Mais j'ai pas trop d'inquiétude avec Audrey, et je pense qu'on va pas relever toutes les mailles du coup. Enfin, on va pas relever un pour un, on va relever peut-être, je sais pas, 2 sur 3, ou j'en sais rien. J'ai pas regardé. Mais en attendant, ouais, c'est gigantesque les mailles. De toute façon, ce que je vais faire là, c'est que comme je suis sur 2 pelotes en même temps, qui seront jamais finies en même temps, je vais finir le corps en entier, comme ça j'aurai plus de pelotes qui traînent. Je ferai l'encolure, et après je ferai les manches 3/4. Voilà. Alors que Nadia, je vais faire des manches longues. J'aime beaucoup,
C'est très fluide, ça va être super agréable à porter, mais il faut que je me dépêche un peu parce que ouais, j'ai que ça sur le corps et du coup il me reste je crois genre 10 jours pour le finir, ce qui n'est pas beaucoup, mais vu que je suis due au projet en ce moment, ça avance vite. Je me retiens fort de castonner, j'ai envie de castonner un milliard de trucs, j'ai mon petit bol de pioche qui est là-bas, je le vois. Et je ne pioche pas parce que, voilà, je vais essayer de pas craquer et de ne pas castonner de chaussettes, de sockets, parce que j'ai très envie de castonner des sockets, mais là je me dis faut vraiment que je finisse ces deux projets-là, et après je pourrais m'autoriser à castonner peut-être une paire de sockets, parce que le kimono à tulle de Audrey c'est pour fin mai, donc ça va le faire. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire, et pour finir, je voulais vous parler des patrons et des vidéos qui sont sorties, parce que j'ai oublié de le faire la dernière fois, puis de toute façon il y en a des nouveaux cette fois-ci. Ah si, je voulais vous partager un truc aussi, je vous mets une photo là, regardez, c'est un petit oiseau que mon père a trouvé dans le jardin. En fait l'oiseau s'est pris la baie vitrée, donc il était un peu sonné, mon père l'a récupéré, etc., et il a repris son envol après. Bref, regardez comme il est beau. Alors je ne me rappelle plus de son nom, c'est un Léotrix, un truc comme ça, je crois erronément appelé rossignol du Japon. C'est un oiseau qui est apparemment pas mal dans la région de mes parents et dans le Béarn, allez savoir pourquoi. Et je trouve qu'il est magnifique, il est sublime. Vraiment, je suis admirative que la nature pondre des petites beautés pareilles. Bref, ah oui, et pour la petite histoire aussi, si vous voulez la petite anecdote, je suis allée faire des photos du candy dans le microscopique bout d'herbe qu'il y a dans le parking de ma résidence, et je me suis dit, j'ai calculé entre le jour et l'heure en me disant, là il fait encore assez jour, mais peut-être qu'il n'y aura pas trop de monde. Vous voyez, genre, je ne vais pas faire à 19h les photos, parce qu'à 19h il y a plein de gens qui rentrent dans le parking, c'est mauvais plan. Voilà, bref, je crois que j'ai fait ça quand? On est quel jour? On est vendredi, j'ai dû faire ça dimanche à 14h, un truc comme ça, ou à 13h30, enfin bref. Il n'y avait personne, c'était très bien, je suis pas super à l'aise, parce que je trimballe mon trépied, mon téléphone, mon gilet, mon machin, puis voilà, j'ai l'air un peu débile quoi. Et là, je commence à prendre mes photos et je vois quoi en face de moi, dans l'autre bâtiment de ma résidence, une dame qui étend son linge sur son balcon et qui me regarde. J'étais très très mal à l'aise, grand moment de solitude. Bon, j'ai fini mes photos parce que de toute façon, il me les faut pour la semaine prochaine et je vais pas chez mes parents avant plusieurs semaines, donc je peux pas faire les photos ailleurs. Et je veux pas les faire en intérieur, c'est beaucoup trop moche chez moi, enfin chez moi du moins, c'est beaucoup trop moche pour faire des photos en intérieur. Mais voilà, c'était un grand moment de solitude. Bref, les patrons qui sont sortis... Attendez que je les retrouve, je ne trouve plus rien, je ne sais plus où je suis. Ah voilà, il y a Camille K, donc Massimi sur les réseaux, qui a sorti un très joli pull en mohair doublé, qui est le Ballerina Romance Sweater. Je le trouve vraiment très sympa. Après, je pense qu'il n'est pas gradé très haut, comme tous les patrons de Kamika, mais au moins elle a l'honnêteté de dire que grader au-dessus d'une certaine taille, ce n'est pas le même boulot que de faire de la proportionnalité, et donc du coup elle le fait pas parce qu'elle ne sait pas le faire ou parce qu'elle n'a pas le temps de le faire, j'en sais rien, contrairement à certains designers qui vous gradent très haut mais qui gradent proportionnellement et ça marche pas quoi, parce que c'est pas parce que vous faites un tour de buste de 130 que vous faites nécessairement 1m80. Voilà. Mais donc, bref, il est très joli, mais je ne pense pas qu'il y ait ma taille dans ce genre de pull. Il y a Valentina Bogdanova qui a encore sorti une beauté, qui est le Petal Wrap Tee, qui est sublime, avec donc une encolure assez dégagée, avec des ponts, je sais pas, des pétales. Un joli yoke en texture et le reste du t-shirt en maille en vert. Clairement, elle a fait 30% de réduc, là, je l'ai vu, je l'ai acheté direct, je trouve sublime. J'aimerais bien le faire avec de la Morning Salutation Vegan Fino que j'ai en stock. Le truc, c'est qu'elle a un échantillon de 23 mailles. 23 mailles, c'est plutôt de la sport. Son t-shirt, sa laine est catégorisée dans la DK, mais 23 mailles, moi, clairement... Surtout pour un t-shirt d'été, je préférerais de la fingering ou de la... Ou de la sport, sachant qu'il y a pas mal de fils
assimilent les fingerings en fil d'été, qui ont un échantillon de sport plutôt, enfin bref. La Morning Salutation Vegan Fino est très fine, elle est préconisée avec un échantillon de 24 mailles, je crois. Moi, je crois que j'ai plutôt 25 mailles avec elle. Mais voilà, j'en ai en stock, et vu comme j'aime le rendu de cette matière-là, de la Morning Salutation Vegan Fino, je me dis que ça pourrait le faire, ça pourrait le faire. Voilà, je réfléchis. Et sinon, ah oui non, il y a un autre patron qui est sorti, c'est la Pavouk Vest de Teti Lutsak, qui est un gilet sans manches, avec du jacquard sur le bas du corps, mais je sais pas comment elle a fait le début de son jacquard, ça doit être de l'intarsia, parce que vu qu'il ne fait pas le tour, sinon c'est impossible, mais je trouve ça très joli. Teti Lutsak, elle a beaucoup de choses très crop et assez particulières niveau design, et c'est très original, je trouve très sympa ce modèle. Je vais me moucher, je reviens parce que c'est insupportable et on parle des vidéos. Et donc pour finir cette vidéo longue en blabla, rapidement, les vidéos que j'ai regardées cette semaine, en cette fin de semaine, et qui sont très chouettes. Je vous rappelle que moi, je regarde les vidéos en accéléré, la plupart, pas toutes, mais la plupart. Ça dépend du débit de parole de la personne, soit je regarde en 1.25, soit je regarde en 1.5, alors pas plus, parce que plus, je trouve ça désagréable, mais 1.25 ou 1.5, ça passe en fonction du débit de parole de la personne. Il y a des gens qui parlent vite comme moi, je suppose qu'en 1.5 c'est peut-être un peu speedouille, mais il y a des gens qui parlent lentement, et ça me permet d'en regarder plus, et comme je vous l'ai dit, moi je regarde pas de séries, j'ai pas Netflix, j'ai rien du tout, je regarde pas énormément la télé, mais je regarde plein de podcasts, voilà, pour tous ceux qui font des élucubrations farfelu sur le fait que je regarde beaucoup de podcasts, donc je ne sais pas quoi, voilà. J'ai regardé Clara DIY Your Dream, son podcast de mars, c'était très chouette, j'étais contente de la revoir, elle parle de tricot et un petit peu de broderie, c'était vraiment sympa. J'ai regardé le podcast 75 de Christelle, d'Emma et moi, et c'était très très chouette aussi, vraiment ce dont elle nous parle, c'est très chouette, j'aime beaucoup Christelle. J'ai regardé le podcast 67 de Lucie Kumquat avec ses expérimentations de Birds of a Feather un peu arrangées. J'aime beaucoup aussi, c'était vraiment très sympa. J'ai regardé l'épisode 11 de Sophie au fil de la ruche et c'était super chouette aussi. Elle est très inspirante, ses châles sont très inspirants, elle tricote aussi assez vite. Du coup, on voit les avancées rapidement, enfin, je trouve ça très stimulant. Non pas que les gens qui tricotent lentement, c'est mal, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est stimulant, on va pas se mentir, quelqu'un qui tricote vite, c'est stimulant. Ensuite, j'ai regardé l'épisode 4 de mon amie Najla, que je vous invite à aller voir. Creative Layers Najla, donc, qui fait son petit bilan de début d'année. Et c'est vraiment très sympa, c'est Najla qui a fait la pochette de Eve et la mienne, dont je vous ai parlé déjà, cette pochette dont j'ai oublié le nom, mais... Belle Rose, je crois, voilà, qui est un patron gratuit sur Ravelry, si vous voulez aller le télécharger, et elle se met un peu au podcast, donc allez l'encourager, parce que c'est très sympa ce qu'elle raconte, et elle a notamment fait une magnifique robe avec des poissons en jacquard dessus. J'ai regardé aussi l'épisode 76 de Christelle, Desmailles et moi, parce que j'étais en retard, et c'était aussi très chouette, et j'ai regardé... l'épisode 10 de Lucie, les péripéties d'une belette, et c'était très très chouette, la pauvre, il lui arrive plein de galères, mais elle tricote un très très beau pull en jacquard de Audrey Yarnflex. Et je continue à regarder un peu les vlogs Mars de Fille de Nuages et Léonore, et c'est vraiment vraiment très 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 sympa, elle a l'air d'avoir un boulot très prenant et d'être super occupée, mais elle avance vachement vite cette tricot je trouve, donc c'est très chouette, et ça fait très... Alors, je me suis pris un coup de vieux. Et Léonore, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Mon Dieu, en plus c'est bientôt mon anniversaire. Double coup de vieux dans ta tête. Quelqu'un lui a demandé depuis combien de temps elle tricotait, et elle a répondu qu'elle tricotait depuis, je crois... Depuis qu'elle est elle fait des vêtements au tricot, je crois, depuis qu'elle est collégienne. Et elle a appris à tricoter à 7 ans, c'est ça qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je crois qu'elle a dit « J'ai appris à tricoter à 7 ans, donc ça fait à peu près 15 ans que je tricote. » Et là, je me suis pris un petit coup de vieux, parce que moi, il y a 15 ans... Eh bien, j'avais quel âge il y a 15 ans? J'avais presque 22 ans. Voilà!
Voilà. J'avais presque 22 ans il y a 15 ans. Bien, nous n'avons pas le même âge. En tout cas, j'aime trop la suivre. Elle est passionnée par les chaussettes. C'est hyper chouette. Elle fait plein de trucs. Elle est super active et tout. C'est hyper frais. C'est hyper... j'aime beaucoup. Hello, c'est Manu du montage. Et je voulais juste intervenir rapidement. C'est fou comme cette lumière est bleue là. Grise. Bref, le soleil est quasiment couché. Je viens in extremis parce que j'ai vraiment tardé à faire le montage cette semaine. Pour vous dire que j'ai oublié deux vidéos dans... des vidéos que j'ai regardées, j'ai oublié de vous parler du podcast numéro 9 de Lucie, les péripéties d'une belette, et c'était vraiment très très chouette, et de l'épisode de vlog de Elodie on Eating Journey, et c'était aussi vraiment très 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 sympa. J'aime énormément ces deux belles personnes qui font du contenu qui me plaît beaucoup, donc je tenais à faire ce petit ajout dans ma vidéo. Voilà. Bien, cette vidéo est assez longue, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ces petites... Je pense qu'il y a le fait que je suis bélier et qu'on arrive dans la saison du bélier et que ça... Voilà. Et puis c'est comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Vous savez comment je suis cash, je suis franche. Et j'ai appris à mes dépens à justement me préserver sur les réseaux sociaux. Alors... Les réseaux sociaux, ça va, j'ai toujours été un peu méfiante, mais dans la vraie vie aussi, il n'y a pas trop à en dire sur moi. Moi, je suis quelqu'un de très honnête, j'ai rien à cacher, donc j'avais tendance à être super transparente, sauf que bah bien des gens sont mal intentionnés dans cette planète, et sur cette planète, et bien des gens essayent de récolter le max d'infos sur vous pour vous nuire ensuite. Voilà. Que ce soit qu'ils le fassent de manière même des fois plus ou moins inconsciente, donc j'ai appris à me préserver. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end si vous regardez ma vidéo quand elle sort, mais maintenant que Julie sort aussi sa vidéo le samedi matin, et pour peu que Lysandre sorte une vidéo, je suis noyée dans la masse. Je l'ai bien vu samedi dernier que ma vidéo était floutée par l'algorithme, c'est pas très grave, je m'en fous. Vous regardez ou pas, c'est vous qui voyez, faites-vous plaisir. Merci à toutes ces belles personnes qui nous proposent du contenu dont je vous ai parlé. Je vous embrasse fort si vous passez par là. Passez un très bon week-end, une très belle semaine, et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures.